Souhaitez-vous gagner des vacances d'été au soleil? À la plage? Venir nager dans ces eaux magnifiques? Au milieu de déchets plastiques? Notre planète est polluée par des criminels qui déversent illégalement du pétrole, des ordures, pour éviter les coûts de mise au rebut. Ces réseaux criminels se livrent au trafic de toutes sortes de déchets qu'ils abandonnent sur terre ou dans la mer. Pourquoi ? Pour des gains financiers presque aussi importants que le trafic de drogue. Alors que faisons-nous ? Interpol a un programme de sécurité environnementale qui aide les forces et organismes policiers de près de 200 pays membres à prévenir, détecter et désorganiser la criminalité liée à la pollution en démantelant les réseaux qui en sont à l'origine. Nous effectuons des opérations mondiales qui s'appuient sur le renseignement criminel et augmentons les contrôles terrestres, maritimes, fluviales et portuaires. Les pays membres émettent des notices Interpol relatives à la criminalité liée à la pollution, au trafic de déchets, et nous répondons à leurs demandes d'assistance, en particulier dans les cas de criminalité transnationale. Lorsque nous cherchons le nom de ces criminels dans nos bases de données, nous les trouvons souvent reliés à d'autres actes criminels, comme le blanchiment d'argent, évasion fiscale et la fraude. Ce sont toujours les mêmes criminels. La criminalité environnementale est un crime qui nous touche tous. C'est pourquoi Interpol s'engage dans la lutte contre ce fléau. Interpol relie les forces de la nature.